était dans pays à monsieur Hall, li était dans pays à côté il rencontré avec un pile acteur et parmi acteur ça a été gagné Pacha Vob de famille Lavalas, tu gagné Liné et Baltazar de PHTK, Rosemont Poidel et Machi Contré, tu gagné tout Bernard Crane, Passerelle, Eric Jean-Baptiste RDNP, Joseph Lambert, quel monde par contre qui c'est tel représenté, est-ce que c'était lui ou bien c'est le Parlement ou bien le Sénat de la République, mais Joseph Lambert pas gagné mentionné devant, mais il était déclaré, il était en opposition avec Jovenel Moïse, parce que Jovenel Moïse pas choisi lui comme premier ministre, il te dit ça ouvertement. Nous allons regarder qui ça dit dans le compte là, puisque sous compte Twitter ambassade américaine, nous ambassade là font tweet, et ben il dit David Hall et nan rencontre avec Jovenel Moïse, li opté avec ensemble acteur tout et ensemble tout acteur li rencontre yo, li opté pour pays à grand gouvernement cap utile population haïtienne. On va regarder ça avec vous et puis gagne des membres dans opposition qui t'est bravé et danger en pile nan yo jodi a puis t'est allé devant ambassade américaine, nous t'est capable Nenel Kassi et André Michel pour t'al dénoncer ça y aurait les ingérences que les États-Unis lui-même et la fait dans dossier et pays d'Haïti. Bon, ingérence là, c'est laissé par moi que là, depuis c'est pas moi que là c'est ingérence, mais depuis c'est moi que là c'est accolade, c'est coopération, c'est par connaître, c'est tête ensemble, c'est pays ami, depuis c'est moi qui là. Depuis c'est moi que là c'est pays ami, c'est coopération qui est lié, mais depuis c'est pas moi que là c'est ingérence qui est lié. Nous ça nous tendez en pile déjà en dedans pays. Nous va regarder ça avec vous dans l'émission Boukanté et la parole. Et puis oui, n'a pas quelqu'un pour nous parler avec plusieurs acteurs et nous devons parler sous dossier de justice juge Osner, Jean Osner petit papa, juge instruction, le juge des juges, c'est lui-même qui t'a instruit dossier qui t'a gagné non cité sénateur au nom de lui là-dedans nous et dossier ça et ben et monde qui t'est impliqué yo selon juge Jean Osner petit papa yo blanchi moun sa yo li dit ni de près ni de loin pas gain matière pour poursuivre moun sa yo pour pi devant li rend une ordonnance de non lieu li rend une ordonnance de non lieu en faveur moun qui ont été fait fouiller la caillou que moun DCPJ t'a mandé pour aller plus loin dans enquête là, effectivement t'a allé devant juge de cette la justice et juge Jean Osner petit papa, il dit mon ça va pas rien dans dossier, il font rappel dans ordonnance qui sorti là au nom de lui gain Milan George Cassius gain c'est trois moun oui chef cabinet sénateur au nom de lui hein, et ben il dit moun ça yo ni de près ni de loin pas de gain en rien pour avec dossier ça. Je pense que garder ordonnance là, faut me mettre accent sur troisième partie ça, ça veut dire comme dans dossier gain groupe ras là-dedans, yo dit au blanchi, mais juge l'a dit dans dossier ça ni de près ni de loin, ni sénateur non de loin, ni Miland Georges et Cassis, yo pas gain en rien pour dans dossier ça. Nous va regarder ça avec vous dans l'émission Boukanté la parole à soir. Effectivement, j'en ai été annoncé là, hier, j'ai été dans Gonaïve, et nous allons parler avec un pile acteur, Souyane, d'abord parler avec Fritz Désir, qui, à un certain moment, qui supporté Jovenel Moïse dans Gonaïve, mais qui a frustration personnelle et frustration pour ville Gonaïve tout, eh bien, nous allons parler avec, nous devons parler avec lui, Souyane, nous devons parler tout avec Liné Baltazar, et qui c'est président et PHTK, et nous t'a doué font petit coup de pied dans l'international là pour nous font petit parler avec l'homme chiffre là citoyen ça qui conseille des chiffres li pon en pile m'a souhaité le bon mieux à soir. David Alvin dans pays a li rencontré avec président république là, n'a parlé de Jovenel Moïse jusqu'à présent qui c'est premier mandataire nation li gen pour rencontrer li gen pour rencontrer avec lui. Et c'est, j'ai ça pour moi, et Lick Nipien,
qui ça problème nan et gon auditeur qui dit son mikoua et pas trop fin catholique. Bon, il dit c'est presque chaque soir, li conseille c'est fait arrangement. Là moi qui dit non, c'est dehors. Pas oublier moi-même, moi pas tendo direct. OK? Je m'attends là, moi pas tendo direct. OK? Moi souhaite Luc Nipier a géré ça pour nous OK? M'salye et grand frère moi, guerrier Henri. Guerrier Henri. Les guerriers pirouillés puis coupés c'est à fait pas c'est moun pas moins et pas gain route pas bois on a fait route là ensemble au-delà de tout ça on moun on doit penser bon son drogue pour penser puisque li toujours dit li li son livre l'ouvri li son livre tout l'ouvri li pas gain et pour le cacher oui Kenton lui dit me la privé bon m'ta dû parler toi avec Abel Leriston Abel Leriston dans boucanti la parole à Soya nous t'a dû font coup de pied trop capa ici bon son émission qui a vraiment chargé à Soya des n'a pas parlé de monde dans l'opposition n'a pas parlé tout avec des monde dans pouvoir OK n'a pas parlé de monde dans l'opposition n'a pas parlé avec des monde dans pouvoir OK d'accord il y a monde qui dit OK merci Hugues Depay merci Hugues Depay mais c'est moi rapporter ça rapporter OK OK c'est pas moi même m'attendou indirect moi rapporter ça rapporter OK nous allons Hugues Depay qui et merci Guerrier qui dit me sont anormal OK nous allons Hugues Depay qui a coûté nous depuis pays blanc américain merci en tout cas pour auditrice Gonaïve qui dit son pas normal là essayer checker et bon la carrière merci OK David Hall qui c'est numéro 3 département d'état américain qui rentre dans pays aujourd'hui a et à chaque fois yo quitte pays a yo pas jamais parler dans radio même la presse pas jamais invité dans un blé ça yo gen des acteurs qui vini yo expliquer ça yo voulez expliquer yo expliquer ça yo voulez expliquer nous rappelons, madame Kraft est venue dans le pays, lui-même était allé, il a fait des tweets, avant même de quitter le pays. Notamment dans le tweet, il a été opté pour un dialogue entre acteurs qui a fait là, dans le moment. Dialogue là, fait là. Il y a des gens qui ont rencontré avec le président de la République là. Et il y a des gens tout. Il y a des gens tout. Qui faufile lisse, ben président. Moi, je dois choisir, m'a cité non yo. Moi, je dois choisir, pas cité non yo. Il y a des gens qui sont dans l'opposition radicale, il y a des gens qui sont dans l'opposition modérée, et il y a des gens tout qui sont dans la société civile. Et puis, gros bataille là, c'est dans l'opposition. Il y a pile nègre là qui sont dans l'opposition, qui t'a remé, ouais, c'est le premier ministre pays. Yo en pile non là qui sous table là dans quatre batailles avec Jovenel Moïse qui t'a remé c'est yo qui vient premier ministre à terre toujours parler nous entendre sénateur Yuri Latoti qui dit lui remettre un document passerelle là à madame alors à monsieur Hall comme numéro 3 département d'état avec les États-Unis qui étaient là en personne encore aujourd'hui, les États-Unis prennent dossier Haïti en main. Ils prennent dossier Haïti en main. Mais pendant que je parle de dossier Haïti, comment je passe, il y a 15 pays qui disent qu'ils ont coupé pont avec Maduro. Pour Maduro ne pas aller dans le pays. Il n'a pas accès à pays. Mais dans l'intervalle, est-ce que nous avons retiré l'ambassadeur Haïti dans le Venezuela? Est-ce qu'il est toujours là? Et l'ambassade de Venezuela, est-ce qu'elle est toujours en Haïti? Puisque, ou pral dim ou pas couper relation avec Venezuela, c'est sauf le dim. C'est avec Maduro qui a problème. Mais Maduro, il est chef de diplomatie, la Kailia. Et c'est comme si, oui, les États-Unis disent, ok, je ne vais pas parler avec Jovenel Moïse. Couper relation avec Jovenel Moïse. Vous ne pas couper relation diplomatique, mais nous remplis. Par le fait que ce président qui là nous dit pas de venir la caille nous. Bon, mais malgré nous prenons décision,
ou senti c'est des bagages qui a forcé nous quoi, mais relation toujours existé, ambassadeur Venezuela toujours en Haïti, ambassadeur Haïti a li toujours au Venezuela. Nous entendons Yuri Latoti qui dit vous parlez avec Michéa et lui remettre David un document à Comariot là que sien. Bon, il dit son feuille papier il était longé et il était longé par Michéal comme numéro 3 département d'état, il était longé feuille papier ba li effectivement moi parler avec un citoyen qui était dans compte là qui confirmait ça pour moi. Qui confirmait ça pour moi. Il y a un acteur que sénateur Yuri Télonjon fait papier by Michéal. Mais les dispositions n'ont pas changé. Et dans un moment, on te dit, il n'y a pas prêt à aller dans la rencontre là si agenda pas défini. Si agenda pas défini. Mais on dit, c'était beau plan avec Yuri qui doit aller. On dit, comme agenda pas défini, c'est ça qui fait, c'est Yuri qui aller. Mais clair, position est clair. Nous te dit, si agenda pas défini, c'est si agenda pas défini. Si agenda pas défini, nous pas aller. Bon, il est obligé d'aller puisque avec ou sans yo, c'est ça qui vient dans la bataille là. Vingé l'autre acteur qui a émergé là, vingé l'autre acteur ou pas qu'à aller à l'encontre de yo. Ou pas qu'à aller, ou pas qu'à faire sur yo. Ou pas venir dire ou c'est l'opposition qui est toujours dans la rien. Mais Eric Jean-Baptiste de RDNP qui était dans la rencontre là aujourd'hui a li pour le départ de Jovenel Moïse. Li pour, parce que li positionnel, RDNP positionnel le ya, à travers son secrétaire général Eric Jean-Baptiste, li positionnel pour le départ de Jovenel Moïse. Tout le monde dit, ou pas qu'à dire, puis pas parler avec lui. Marcher contre les positions. Elle dit, ou même, sous parler, ou abdomin de yo. Mais ça, citoyen dit, et nan, à travers compte Twitter, ambassade les États-Unis, dans le pays d'Haïti, mais sa citoyen dit, sous-secrétaire d'État, Al, dans Chita Palais, li fait à président Jovenel Moïse, montrer nécessité pour peuple la joindre yon gouvernement qui a bay résultat et pour gain yon de même yon. Dirigeant yon doit travailler ensemble pour yon protéger droit moun. Dirigeant yon doit travailler ensemble pour protéger droit moun et pour combattre corruption. Dirigeant doit travailler ensemble pour protéger droit moun et pour combattre corruption. Et il dit nan chita pale li fait avec président Jovenel Moïse, li montre nécessité pour gagner un gouvernement qui a bay peuple la résultat. Ça veut dire ou d'accord? Président, alors, position les États-Unis jusqu'à présent, li pas changé sous situation en Haïti. Malgré manifestation devant l'ambassade américaine, jodi a de l'opposition, malgré les membres de l'opposition haïtienne, yon brave danger pour aller devant l'ambassade là, ouais, position les États-Unis li pas changé sous Haïti. Et ouais, yon dit, fok acte yo, yon mette tête yo ensemble pour protéger droit moun. Faut que dirigeant doit travailler ensemble pour protéger droit moun. Allez dit gon nouvelle blanc gagné. Gon nouvelle blanc gagné. Parce que s'il si faut nous mettre tête ensemble pour protéger droit moun. Les dirigeants pas dit il pas décortiquer que c'est moun qui dans l'état ou bien moun qui va dans l'état non, il dit dirigeant pas le fait que vous sont structure politique ou gon structure politique ou sont dirigeant ou ka pas dans l'état ou ka son dirigeant non étatique mais blanc dit faut nous mettre tête ensemble allez dit gon nouvelle quel gagne blanc connaît ti gagne des moun la parler l'école journée pour que parents pour qu'on a décidé vous et ti moun l'école en uniforme en grande partie c'est parce que à chaque fois annoncer l'école pour l'ouvrir, il y a des monde qui monte dans des radios pour dire Jovenel Moïse pour aller voir tout le monde pour parents qui petit monde la caillou. M'te vle dire nous ça. OK? Dans des gens qui dit c'est l'état pas ba sécurité. Mais là on nous monte nos radios, faut dire ça d'oui. Là on nous monte son nos radios la parler, il dit il pral tirer Jovenel voyer tirer monde. Ou fait pas un repète ou. En tout cas, il m'a dit pour nous mettre tête nous ensemble.
et à chaque fois où yo vini ou est position pas jamais changé, à chaque fois yo vini yo qui à travers compte Twitter yo dit une parole. Et même m'a dit nous gouvernement là déjà. Gouvernement li là déjà. Moun yo pral choisi a moun ki pral premier ministre là moi tout nous nan men Jovenel Moïse déjà. Et moi quoi blanc vin live na on bagay tout fait. Blanc vin avec on bagay tout fait là. Jovenel Moïse t'est opté pour des combats légitimes. C'est l'information qui m'gagne. Ça m'a dit légitime, il était même voulu monter gouvernement pendant décembre dans là. OK? Il était voulu monter gouvernement dans mois décembre dans là. Quand il t'a convoqué la chambre des députés à l'extraordinaire pour te voter premier ministre avec tout cabinet ministériel li. Et il t'a pas devant le Sénat de la République. Mais on dirait Jean Yabissé fait là pour pas gêchirer puis encore pour monter gouvernement, il va aller jusqu'au mois de janvier. Il est allé au mois de janvier. Hier soir, on m'a dit un petit désaccord tout petit avec Guerri Henri sur question choix. Alors quand c'était sénateur qui pourrait aller, effectivement, il y a des monde qui n'ont dos Jovenel Moïse qui voulait ces 19 sénateurs. Alors 20 sénateurs doivent aller deuxième lundi mois janvier. Puisque il y a des monde qui fait Jovenel Moïse ouais quitter 19 sénateurs Nenel Kassi pour aller rester comme sénateur de la République et Youri Latochi pour aller rester comme sénateur de la République. Manifestation qui fait Gonaïve là, c'est une raison yo. Manifestation en fait. Ou gade jodia, manifestation pas prend. Li pat fan pile moun. Alors ce que ça Gonaïve là, li fait en pile moun puisque Youri Latochi, li gen contrôle Raboto. Ligue contrôle Raboto. Eh bien, des nègres qui dans l'opposition journée aujourd'hui, notamment des sénateurs de la République, mandat au sens c'est fini. Ma bonne vraie raison qui fait stratégie manifestation elle fait Gonaïve là oui. Et là où il dit on va aller jusqu'au 5 janvier, et vraie raison ma bonne nous la soir. Des nègres qui dans l'opposition qui dans la République là, il a servi avec Youri Latochi comme pion pour gérer négociation avec Jovenel. Jodia, nèg y a fond bataille, est-ce que mandat yo a tout fini deuxième lundi mois janvier ou bien il y a une tirage allongé dans Jovenel Moïse. C'est ça qui fait rencontre la fête et ça fait bataille la fête là. Ou gen doit ouais 1er janvier passé bien douce dans Gonaïve. Attention, dis-nous ça. Ou gen doit 1er janvier son bel si fête qui fait dans Gonaïve. On péta ou pas tirer même. Comme dans tout pays, il y a pas de mouvement. Il y a pas fait le cap haïtien pour qui ça? Parce que Naoun Marcellus Liclair mandat fini. Dans l'ouest là, Liclair mandat Don Kato li fini. Et Don Kato, m'a pas le droit intéressé tout pour t'arrêter dans le Sénat. Toujours. Comme Zoki qui, il n'est pas fixé dans l'opposition, regardez chaque région, il a regardé force de chaque région. Et puis, je dis, même pour Gonaïve là, nous allons voir où il est devant, comme nous parlons le 1er janvier, qu'a parlé, là, je vais venir là, je vais me faire un besoin pour me parler le deuxième lundi mois janvier. Et puis, bon, nous une nouvelle, c'est presque OK pour nous. Nous avons besoin de craser le pays encore. Nous avons besoin de briser le pays encore. Nous avons besoin de payer la chance pour venir à l'école. Nous avons besoin de chance, possibilité pour passer un bon décembre. C'est presque OK, c'est 10 sénateurs pour aller. C'est l'information qui me joue aujourd'hui. Dans bon timami, c'est presque 10 sénateurs pour aller. Ouais, depuis que je finis ça, je vais courir.
c'est 10 sénateurs pour aller. Au-delà qu'il y a des mouns qui ont chauffé tête Jovenel Moïse, qui ont dit non, Youri Lato, tu vas devoir être comme sénateur de la République, et Nenel Kassi va devoir être comme sénateur de la République, eh bien, Jovenel Moïse a joué sous raison. Non seulement, li pa rappelou Madame Kraft et dit, li rencontre avec des on bon monde qui n'a opposition, qui s'est li et tout. Mais, si y a, et pas celle Nenel Kassi qui a perdu, et pas celle Youri qui a perdu, mais c'est yo qui n'a opposition. On dit l'autre, 8 Jovenel a perdu yo, li ka kaze yon côté. Et bien, c'est presque arrêté. Et bien, au deuxième lundi mois janvier, c'est 10 sénateurs pour aller, c'est ça n'y est. Dans bon petit mamite, c'est ça n'y est comme information qui évolue. Il n'est pas contre ce que tu dis hier soir, non, mais c'est ça qui évolue jeudi, suite à une rencontre qui fait hier soir avec plusieurs sénateurs et président de la République là. C'est sous ça qu'ils entendent nous pour deuxième lundi mois janvier. C'est 10 sénateurs. Alors, c'est 10 sénateurs qui allaient. Pour retourner à visite ça, nous allons parler à Aline Baltaza, dans le bouquin la parole à Souéa. Nous allons regarder ce qui est dit et ce qui a fait dans la crise que nous est là, côté depuis plusieurs mois, puis il y a lui-même, il n'a pas gagné un gouvernement. Nous allons parler avec le président. Et puis HTK, on a parlé de Aline Baltaza dans Boukanti la parole à Souéa pour nous connaître qui sa réalité a été côté nous doué aller avec PIA puisque je vous dis c'est 5 décembre, alors c'est 6 décembre et je vais avancer et pour fin d'année, même si nous ne pouvons attendre rien, exécutif là lui-même l'a annoncé et pour le capable et fêter avec mon yo. Aline Baltaza n'a pas fait contact avec lui là pour nous capable faire parler avec lui sous et visite et numéro 3 département d'État américain hein, pour nous connaître qui ça et qui gagnait dans réalité dans hein, qui est pays capable de gouvernement légitime. Nous avons souligné avec nous Aline Baltaza qui c'est président un parti haïtien tête calée, nous pourrons le faire parler ça avec lui. Aline Baltaza, bonsoir, son plaisir pour avec nous dans Boukanté la parole. Oui, bonsoir et souhaiter tous les fidèles auditeurs Boukanté la parole une bonne soirée et toute équipe félicitations mais bonne et toutes bon bagaille à l'équipe technique là et surtout au même animateur, M. Valester. Merci, M. Baltaza, parce que vous êtes tout disponible pour nous. Tout d'abord, est-ce que c'est confirmé ou tu es rencontré avec David Hall, qui est numéro 3 département d'État américain? Oui, moi j'ai assisté à rencontre avec M. Hill après-midi avec, avec toutes les composantes d'opposition, le département même seulement. Toutes les sensibilités de l'opposition étaient là et avec PHTK et Aline Baltaza qui te représentait PHTK et les partis alliés. Donc, où tu représentais PHTK, c'était vous-même seul qui était présent pour PHTK? Oui, c'est moi-même seul, Aline Baltaza, qui te parlait du PHTK parce que c'est PH. Bon, moi-même, c'est président PHTK, mais Aline Baltaza a invité le type de réunion Sahara. C'est lui plus représenté tout un groupe et groupe politique et plus qu'on a le plus qu'un groupe politique depuis accord et Kinam 2 qui signe hier là. Kounia, Aline Baltaza, elle a parlé au nom de tout un groupe, tout un pan de qui vient parti politique là dernier, organisation des collectivités locales, plus une série de syndicats et tout un ensemble de monde dans la société civile là, tout un pan de secteur qui pas trop connaître l'accord qui dessine l'hôtel là toujours. Donc nous-mêmes, nous étions là tout pour la réunion. L'autre dit, Aline Baltaza était là avec Allié, PHTK et Allié. Qui est-ce qui est Allié et PHTK? Parti politique qui est Allié et PHTK? Bon, pour me citer les sacs les plus,
les plus représentatifs en termes de mon parti qui est élu nationaux et élus locaux. On a dit qu'il y a TID, qu'il y a Vérité, qu'il y a Consortium, qu'il y a Bouclier, qu'il y a Plateforme G18. Tout ces ensemble de partis qui représentaient à peu près 80% des élus nationaux, députés, sénateurs, et 80% des élus locaux, c'est-à-dire okay. magistrats, AZEC, TAZEC, et délégués de ville, et tout ça qu'on a eu. Donc ça veut dire que c'est des partis qui ont même une représentation nationale et que qui pas reconnaître l'accord qui te signé quelque part dans toujours. D'accord. Où dit Vérité dans parti allié PHTK? Oui, vérité qui plateforme Vérité qui est dirigée par monsieur Lagonop Jangé. OK. Donc ça veut dire Vérité a Génard Joseph dans opposition, Jangé dans l'autre Vérité a ni dans pouvoir. Bon, si vous voulez dire comme ça, oui qui nous équipe de parti qui depuis un certain temps a supporté le pouvoir depuis l'accession de Jovenel Moïse au pouvoir en 2017. Oui. D'accord, pas de problème. Alors, où tu es dans la rencontre là, qui l'autre acteur qui était présent dans la rencontre ça avec et diplomate américain? Pour me situer très rapidement, ingénieur Rosemont Pradel pour m'acheter contre. C'est gagné sénateur Joseph Lambert pour Alternative. C'est gagné monsieur Pachavon pour Famille Lavalas. C'est gagné monsieur Jean-Baptiste pour ADNP. Monsieur Bernard Kran pour secteur privé Passerelle, avec des oppositions aussi. Et puis, sénateur La Tortue qui était représenté Alternative et Lille Balthazar qui était représenté PHTK et Allié. Voilà. Joseph Lambert qui structure les représentés? Non, moi, Joseph Lambert, c'est membre signataire de l'Alternative. C'est mon Alternative dans la branche institutionnelle de l'Alternative, oui. Donc, ça veut dire Joseph Lambert signé Alternative là. Donc, Alternative là, tu as deux représentants dans le compte ça. Oui, à travers sénateur Lambert et sénateur Yuri La Tortue. Oui. D'accord, merci pour confirmation ça. Mais qui ça t'a dit dans la rencontre là, Line Balthazar? Bon, moi-même, vous connaissez généralement, si vous rencontrez ça, vous toujours très bien structuré. C'est-à-dire l'administration américaine à travers ses représentants, l'ambassadeur Sisson et M. Hill, yo cadré visité M. Hill là. M. Hill notamment dit que lui-même est venu là pour lui inciter les acteurs politiques pour joindre un accord avant la fin de l'année pour nous joindre était en place un gouvernement et fonctionnel. Oui, à travers contre Tali, il dit faut que pays a un gouvernement et côté la répondre à besoin et population. Il exhorte et dirigeant pour capable travailler pour protéger droit et population. Oui, c'est ça. C'est un discours qui n'a pas changé depuis plus d'un an, près d'un an. Moi-même a participé à plusieurs fois dans ce type de rencontre ça. C'est la position de l'administration américaine pas changé. Et on toujours dit qu'on va venir là pour supporter le monde. Là, on dit pas supporter le monde, non, on va venir supporter le président, sénateur, député, magistrat, on va supporter l'individu, on plus à supporter des institutions. Et notamment les institutions démocratiques. Et ça sont constantes dans parole. Il n'y a pas changé de position. Rencontre là t'es bien structuré, les États-Unis pas changé et de position dans sa tête d'une rencontre là. Avant même de regarder avec opposition PHTK t'es exprimé en présence numéro 3 département d'État américain. Hein? Mais dis-nous, l'autre acteur, est-ce que une position yo modéré, est-ce que position yo changé, est-ce que ouais nous calé au côté? Bon, moi-même sous base ça m'entendait. Alors comme le monsieur Valestin, moi-même je va conduire une machine pas tout à regarder dans le rétroviseur, puis ça regarder là vite devant. Pour quelle raison?
non, pour qui raison? Parce que de pouvoir regarder dans l'étroviseur, après ça qui s'est passé, après ça qui est derrière. Moi, je regarder ça qui est bien devant. En ce sens-là, la politique, on nous fait exactement. C'est pas la peine pour nous. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quel type de rencontre, les amis de l'opposition, ils ont toujours qu'un même discours, et c'est. Et moi, nous remarque à ça, il n'y a pas jamais varié dans le discours. Yo. Et il y a toujours répété même l'IF contre le président Jovenel Moïse, qui n'a pas de parole, qui n'a pas de. Il a même ajouté qu'il n'a pas contrôlé rien, il n'a pas contrôlé le pays, il n'a pas parlé en palais. Bon, c'est que je n'ai pas d'accord avec eux, puisque le président a parlé chaque jour. Mais, son façon pour eux dire que eux-mêmes, il n'y a pas. Le président n'a pas crédible, il n'y a pas. Donc, c'est le même discours. Entre-temps, ils ont même toujours conscient que le pays local fait un pile dégâts sur tout le monde, sur le pays, sur la population, sur le climat, sur la production nationale du pays. Donc, tout le monde conscient que continuer avec le pays local, Jean sont passé là pendant deux derniers mois, plus c'est faire du tort au pays que autre chose. Donc, en ce sens-là, moi, j'ai senti que l'homme politique qui était là, tout secteur de l'opposition, ils ont conscience que il y a un mouvement qui fait, il faut que l'on bouge pour nous marcher vers des bagailles qui t'a satisfait le pays. Alors, ou dit, position, messieurs, et l'opposition qui radicale avec en face à Jovenel Moïse, là, n'est pas changé. Donc, si je comprends, rencontre ça, n'est pas poté fruit. J'en ai rencontré ça, Non, bon, moi-même, pas dit ça. Moi, au contraire, moi, dis la parole. Et je pensais que nous plus proches d'un accord que lors de la visite de Madame Kaff ou même de la visite de M. Hill au mois de mars dernier. Un accord politique avec qui est-ce? Non plus proches d'un accord entre parce que à entendre fondamentalement, nous ne pouvons pas regarder, répéter les griefs ou bien les justifications que l'opposition a contre M. Moïse. Mais en tant que marché contré et par la bouche de Monsieur Rosemont Pradel, dit que eux-mêmes, ils n'ont pas gain marché contré, pas pour discuter directement avec le président Jovenel. À qui est-ce qu'il veut discuter? Par contre, ils sont prêts pour rentrer long discussion si gagnent une interface, un pont, tant que vous dites, qui entre eux-mêmes et le président Jovenel. Est-ce que dans le compte ça, ils ont fait proposition au monde, au secteur que tu as fait pont? Bon, ils n'ont pas fait une proposition de monde, mais par rapport à une position initiale qui te dit Papchita. Et qu'on a dit, map chita, si gen tel monde entre nous deux, c'est pour ça me dit que on avance que fait. Alors, donc, ça, c'est la marché contre, marché contre, monsieur Baldassare, peut-être, ni position pas de jambes, l'autre gens, mais ou dit, l'alternative là, position pas changer. Ça veut dire, puis gros force là, c'est eux-mêmes, puisque, tout ça que fait en dans pays a que pays a crasé que pays a rangé c'est eux même qui mettait pays a nan, avec manifestation qui ont fait pendant plus de deux mois c'est eux même avec un pile barricade en dans pays a écouter tout et pas dit c'est eux même mais grand pile gang armé qui est papier en bonne côté en dans pays a qui espoir gagner avec alternative là puisque son gros force et puisque yo ouais marché contre yo ouais marché contre yo ouais PHTK c'est un coup c'est poisson crasé dans bouillon mais alternative là non marché contre avec PHTK pas vache pas poisson crasé dans bouillon non m'pas dire comme ça monsieur Valestin. La première chose m'pas associer alternative là avec gang armé. Non, pas associé. Gang armé, c'est gang armé. Je pense que il y a des gens dans l'alternative, des hommes politiques alternatifs qui prennent toute distance avec des gangs armés. Oui, mais
Bon, et bien féliciter pour ça, parce que c'est politique n'a fait, non pas dans la violence. Mm-hmm. Donc, mais même dire que moi-même, la rencontre moi était hier, moi, ouais, c'est pas de gagner, c'est gagner 5, au moins 5 tendances différentes dans l'opposition. Mm-hmm. Moi, tant de marchés contre qui exprime lui, qui dit très clairement qu'il n'y a pas à rentrer dans la négociation direct avec le président, et c'est leur discours, mais ils sont prêts pour rentrer dans la discussion, dans la négociation, moyennant que gagnent un pont, et ce pont, ils ont souhaité que l'y fait avec les partenaires internationaux. D'accord. Bon, donc, ça veut dire, les Haïtiens, pas décider chita, mais si un blanc vini, n'importe côté le social, il a fait pour eux. Blanc, c'est pas comme ça, je dis. Je dis que non, c'est une facilitation. Je préfère une facilitation. Ouais, bon. Mais ça a un coup, monsieur Baltazar, pour faire un blanc vini là, pour mettre haïtien chita, alors que nous-mêmes, c'est là, nous cherchons un bel hôtel dans Pétionville, ou bien aller qu'est-ce qu'on n'en est pas de content dans le pays. Non, mais ça a une bonne position exprimée par Marché Contré, qui est en public, qui est exprimée très clairement par la position, par l'ingénieur Rosemont Cadet. Alternative. Par contre, alternative à travers cette opposition, la position de exprimée par le sénateur Joseph Lambert, qui fait aussi partie de l'alternative, c'est que il reconnaît que qu'on est là, au moins, gain le courant exprimé à travers l'accord de Turgeot, dans un hôtel de Turgeot, et maintenant l'autre courant qui est exprimé à travers l'accord de Kinam 2. Donc il dit qu'on est là, gain deux équipes. Et ces deux équipes doivent pouvoir s'asseoir pour joindre encore. C'est la position de Joseph, de sénateur Lambert. La position de M. Jean-Baptiste, c'est que lui-même tout, il dit que faut qu'il y ait un accord qui joigne entre la classe solaire, les acteurs politiques et l'opposition pour un départ ordonné. C'est la position de M. Jean-Baptiste. Mais ce débat va inclure le président. Famille Lavalas. Bon, Famille Lavalas, exprimé par M. Pachavor, toujours sous même position, pas de négociation avec Jovenel Moïse. Bon. Mais il t'a prôné au gouvernement salut public, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que pour lui, le salut viendra du départ de M. Jovenel Moïse. Benacran passerelle, c'est Benacran, lui-même n'est pas non politique. Oui, Benacran souhaite le départ et le plus tôt possible de M. Jovenel Moïse. Mais tout le monde est d'accord que dans un premier temps, il faut négocier avec Jovenel Moïse, soit pour obtenir son départ immédiat, soit pour obtenir son départ dans un temps plus long, comme Élie Jean-Baptiste. Soit pour tenir son départ sur un temps encore beaucoup plus long, c'est la position de sénateur Lambert, soit pour obtenir son départ jusqu'au terme de son mandat, c'est la position de PHTK et ses alliés. Tout le monde est d'accord que, mais il faut qu'on négociation inclusive qui inclut le président. Les lignes ont bougé, au moins tout le monde est d'accord pour négocier avec le président. Son départ. Donc, ok. Mais bon, je vais m'en douter sur ça quand même. Position PHTK, même sous frontière flairée, lui, même besoin de position PHTK dans la rencontre là, bien content. Et comme si, ouverture qu'a faite pour nous chita parler entre haïtiens et haïtiens pour nous capables de bouger, puisque chaque monde avait ses vêtements sous l'ignor, il n'y a pas de vle parler avec l'autre. Bon, et blanc rentré là, l'ikwe, il y a nécessité, faut que haïtiens cap chita avec haïtiens. Bon, oui, bon, M. Valessin, ou exprimer l'on genre, moi-même, pas d'exprimer le constat. Non, m'assumer, et bah, vous-même, non, balade, ça m'assumer là. Oui, ben, et l'administration américaine n'a pas changé de position depuis plus d'un an. M. Hale vient de dire, recommander aux acteurs de trouver un accord. C'est toujours la position. Maintenant, nous reconnaître que la position de tout le monde a évolué par rapport aux derniers événements, et que bon, prise de conscience qui fait tant du côté des gens de l'alternative, moi je dis des gens de l'alternative, parce que l'alternative est plurielle, tant du côté de l'alternative, des gens de l'alternative, que du côté
des gens de marché contré et aussi des gens de PHTK et alliés sur la nécessité de trouver un accord politique pour nous mettre en place un gouvernement et de consensus ou bien d'union nationale ou de sauvetage national tant que chaque monde a pendé là. Alors c'est PHTK la position, c'est la position de PHTK c'est que nous-mêmes nous pas l'envoyer aller nous souhaiter qu'il y ait nous-mêmes pour la cohabitation celle qui a été exprimée dans l'accord de Kinam 2 hier après-midi. Nous sommes pour la cohabitation avec le président. Ça veut dire que le président reste en force jusqu'à. Nous déjà, ou déjà, ou déjà. Nous c'est pour voir pas nous déjà, M. Balthazar. Nous avons une cohabitation encore. Non, nous d'accord que. Alors, cohabitation avec l'autre secteur. Oui, cohabitation avec l'autre secteur, parce que nous d'accord que, un, que l'opposition peut empêcher le président Jovenel de diriger le pays convenablement pendant les deux prochaines années, mais que d'un autre côté, l'opposition en l'état actuel n'a pas la capacité de faire partir le président Jovenel avant le terme de son mandat. Pour jeudi, le président est encore en fonction au Palais National. Et tant qu'il est en fonction au Palais National, il faut faire avec, il faut compter avec lui. C'est-à-dire, jeudi, s'il n'a pas les deux objectivement, donc situation objective, l'opposition pas qu'à faire président Jovenel aller, et président Jovenel pas capable de diriger le pays sans pas venir nous entendre avec les forces de l'opposition. Ça veut dire qu'il y a une avancée qui fait dans la rencontre aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un délai pour nous faire ça? Est-ce qu'il y a un petit devra maison qui quitte pour nous entendre nous pour nous faire ça? Est-ce qu'il y a un délai devant nous? Bon, tout le monde conscient que grand échéance captain, c'est le deuxième lundi de janvier 2020, qui verra le départ de la Chambre des députés. Et sénateurs. Et le départ de 10 sénateurs suivant certains et de 20 sénateurs suivant d'autres. Donc on pourra créer un vide institutionnel et que avant ce vide institutionnel, tout le monde conscient que il vaut mieux que nous joignons un accord sur la mise en place d'un gouvernement d'un gouvernement fonctionnel, comme recommande l'administration américaine, d'un gouvernement de consensus, comme le demande le PHTK et ses alliés, et d'un gouvernement d'union nationale ou bien de sauvetage national, comme le recommandent les gens de la passerelle et de l'alternative. Nous gondelons, nous gondelons pour nous faire ça. Nous gondelons, ça d'ici avant la. Qui ça délai? Qui ça délai? Le délai assez avant le deuxième lundi de janvier, il faut nous joindre un accord. Oui, allez dire la pays est capable, nous acteurs sont capables de bailler le pays comme ça, comme cadeau de Noël, un gouvernement. Acteurs, mon bien dit. Acteurs, de toute façon, terme ça, je dis là, cela a été prononcé par l'un des participants à la réunion. Qui est-ce lié, moi, si c'est. Qui est-ce lié? Bon, c'était un propos qui était prononcé par le sénateur Lambert, qui était souhaité que les acteurs, que les protagonistes donnent ça en cadeau à la population. Que cadeau de Noël. Un cadeau de Noël et de fin d'année que nous venons encore. Deux, que nous débouchons son gouvernement et relais le mettre jongler et relais le consensus base jongler là. Mais en fin de compte, que le pays a retrouvé le calme et la sérénité les nappes rentrées en 2021 parce que tout le monde conscient que et pays a pas qu'à continuer comme ça. Parce que, et cela a été dit par le représentant du secteur privé, que la tissu de production pays a désagrégé, et entreprise a fermé, tourisme pas rentré, et combat de bagu. Donc ça veut dire que pays l'autre là pendant ces deux ou trois mois, fait autant de dégâts sur pays a que l'embargo de 92-94. Et 12 janvier tout? Ou bien 12 janvier. Parce que 12 janvier, nous devons une aide. Après 12 janvier, nous devons une aide. Ça y est, nous craser. C'est pas catastrophe naturelle liée. C'est goût, mais pour pouvoir qui mettez nous là, nous craser. Pas qu'il y ait une aide pour des mounons. C'est vrai. C'est conscience, ça, qui exprime à travers les protagonistes, les acteurs qui ont participé à cette rencontre, qui vient faire comme que les lignes ont bougé et que nous sommes plus proches, de mon point de vue et à mon sentiment, nous plus proches d'un accord avec cette fois-ci l'emploi de ça là qu'il y a deux ou trois semaines lors de la venue de Madame Krap. Parce que tout simplement tout ces haïtiens nouillés, les gens de l'opposition, ce sont des gens de bonne foi qui souhaitent aussi du bien pour le pays. Nous-mêmes qui au pouvoir, nous de bonne foi aussi, et en ce sens là moi-même je me sens que bon volonté
de dépassement pour nous mettre en pratique la fameuse déclaration. Je trouve que c'est une phrase heureuse et que tout le monde doit méditer sur lui comme politique et comme citoyen. Mmh. Dans la dernière note de la conférence épiscopale qui a appelé les protagonistes à faire des concessions douloureuses de part et d'autre pour nous sortir du pays à la salle. D'accord. Où insistez sous l'impil, M. Balthazar, c'est accord de Pétionville ou bien accord de Kinam? Et qui ça, accord de Pétionville, là, lui-même lié ou bien accord de Kinam, non, pour ne pas finir? Non, accord Kinam, non, c'est une prise de position et qui est formulée par un ensemble de partis politiques et des organisations, des collectivités locales à travers la FENAM, la Fédération des maires, la FENACA, la Fédération des CASEC, la FENAZEC, la Fédération des AZEC, la FENADEVI, la Fédération des délégués de ville, c'est un ensemble d'élus locaux qui sont des élus et des officiels de l'État, et puis des organisations de la société civile comme des syndicats, les groupes d'étudiants et d'autres. Bon, un ensemble de monde qui pas reconnaître dans l'accord de Turjo et qui exprime position. Volonté au priorité en cadre démocratique défini par la Constitution de 87, c'est-à-dire que la résolution pacifique des conflits, la conquête et la transmission du pouvoir à travers les élections, et comme corollaire qu'un élu doit terminer son mandat et être remplacé par un autre élu. Donc, là, sans ça, nous exprimons une position très clairement que, tous les élus doivent terminer leur mandat, et que nous recommandons qu'il y ait une négociation politique pour mettre en place un gouvernement de consensus avec les forces d'opposition et que le Premier ministre soit issu d'un consensus politique entre les forces au pouvoir et les partis au pouvoir et les partis d'opposition. Et puis, un ensemble de dispositions pour prendre avec une feuille de route pour le gouvernement et surtout que nous entrions dans le processus de révision ou bien d'adoption d'une nouvelle constitution et terminer le tout par de nouvelles élections sous l'empire de la nouvelle constitution. Parce que fondamentalement, c'est ça qui vient l'accord de Kinam. Merci en pile et monsieur Liné Balthazar n'a pas appelé où c'est président et PHTK. Donc j'avais dit et quand même rencontre ça qui fait hier à Côte de Kinam et rencontre qui fait avec numéro 3 les États-Unis, alors département d'État, il y a possibilité de souvler le comme ça et pour gagner ici à crise qui a payé à qu'on est là depuis quelques temps. Moi dit moi-même sous base ça me tendait après-midi là, et ça m'observait, on dit que il y a une volonté des acteurs pour joindre l'accord et ça va veut dire que changer position et sous perception sous sentiment sous président Jovenel, mais yo bon volonté pour joindre l'accord, que ce soit sur un marché contre qui demande une interface ou pont. Que ce soit directement comme le souhaite le sénateur Lambert et que ce soit ou l'autre genre, mais de toute façon tous ceux qui se sont exprimés à part famille Lavalas qui pas du tout dans ses collés avec M. Jovenel Moïse, mais l'ensemble des autres acteurs, que ce soit et le secteur privé à travers la voix de M. Crane et la parcelle, M. sénateur La Tortue, tout le monde, nous d'accord sur la nécessité de d'entamer des négociations pour sortir pays à l'instabilité et la crise que dit depuis quelque temps, parce que pas parfait pays à bien pour n'abriter la crise tout le temps. Merci en plus, M. Liné Balthazar. N'a pas oublié où c'est président PHTK, parti haïtien, tête calée. Tête calée. Merci, M. Valestin, et me souhaiter à tous les auditeurs de vous prêter la parole. Un très bon week-end et bonne écoute. Merci, voilà. On t'a parlé là avec Liné et Balthazar, président parti haïtien, tête calée. Alors, c'est parti qui sous pouvoir. Bon.
première partie, c'était réponse paysan. Et c'était réponse paysan qui était point li, mais deuxièmement, c'est PHTK, li vinier, parti haïtien. Tête calée. Nous allons proposer là, mais